Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. C'est une pollution qui va rester des décennies, voire des siècles dans la mer. À ce rythme-là, les experts estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Des solutions de collecte sont actuellement testées, mais le moyen le plus sûr de s'en débarrasser sera tout simplement de ne pas le générer. Normalement, si mes calculs sont justes, eh ben on va droit dans le mur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, ça fait peur de voir sa propre mort approcher, non? Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Top Livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Zéro Plastique, Zéro Toxique. Mais avant de vous en parler, je vais faire un petit topo sur le petit zap que vous venez de voir à l'instant. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans et forment des vortex de déchets qu'on appelle aussi les continents de déchets, malheureusement tellement ils sont grands. Et ces vortex de déchets, on les trouve dans 5 endroits principaux dans le monde. L'Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud et dans l'océan Indien au large de Madagascar. Ils sont amenés dans ces endroits à cause des courants marins. Et une fois qu'ils sont arrivés dans ces zones-là, ils sont piégés et tous les déchets du monde qui sont dans les océans se retrouvent là. Et c'est malheureux. 8 millions de tonnes de déchets, dont le plastique, se retrouvent dans les océans chaque année. On a bien 2-3 robots qui sont des prototypes et des projets pour nettoyer les océans à l'heure actuelle, mais c'est pas suffisant, il faut avant tout une grande prise de conscience de la part de chacun pour pouvoir faire quelque chose de concret. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai préparé un petit top des pays qui ont fait le plus de progrès en matière de traitement des déchets et d'écologie. Je vous mets également plein de petits bonus dans la description. Regardez un petit court-métrage qui est très sympa qui s'appelle La vie d'une cuillère en plastique. Alors, le livre du jour, Zéro Plastique, Zéro Toxique, il a été écrit par Aline Gubry. Quand elle l'a écrit, elle n'avait que 22 ans, donc... Bravo, bravo Aline Gubry. Aline Gubry qui est l'auteur du blog Consommons Sainement, je vous mets également le lien dans la description bien sûr, qui est un blog très sympathique au départ avec des petites recettes zéro déchet et zéro plastique. Dans ce livre on va avoir une constatation de tous les polluants et de tous les objets et les matières plastiques qu'on peut trouver autour de nous dans notre quotidien et également toutes les pollutions liées au plastique. On va avoir une préface de Bénédicte Moret, qui est la maman de la famille Presque Zéro Déchet, le livre que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo. Vous cliquez sur le petit i qui est juste là, et je vous le mets dans la fiche. Donc si vous voulez voir la vidéo sur le livre Zéro Déchet, vous cliquez là sur le petit i, vous allez la voir. Ce livre, non seulement on va trouver des astuces zéro déchet, mais on va aller un petit peu plus loin car on va nous donner énormément de recettes, des petits guides. Alors je vais vous expliquer. Alors tout comme le livre zéro déchet, la tranche est colorée pour qu'on se retrouve plus facilement dans les différentes parties. Les différentes parties qui sont la partie cuisine,
dans laquelle elle va nous parler des ustensiles à privilégier, donc notamment les ustensiles en inox ou en bois, des aliments à privilégier, donc bien sûr on vous recommandera toujours une alimentation bio. Non seulement c'est bon pour votre santé, et en plus c'est meilleur pour la planète. Elle nous donne des conseils sur comment éviter les polluants dans tous les produits, les aliments, tout ce que vous voulez. Et elle nous donne évidemment un petit guide pour éviter ces polluants. Vous allez avoir des recettes, comme dans chaque chapitre d'ailleurs. Donc là, partie cuisine, vous allez avoir des recettes de yaourt, des recettes de pâté pour chat. Deuxième partie, la partie course. Dans cette partie, on va nous parler beaucoup d'éthique. Avant tout de privilégier les petits commerces aux supermarchés et aux grandes surfaces, parce que bien sûr, vous savez très bien tous les déchets que produisent les grandes surfaces, tout le gaspillage qui est généré par les supermarchés. Elle va également nous conseiller de faire du rayon vrac notre nouveau terrain de jeu. A few moments later. Le son a changé parce que depuis le début de la vidéo, j'enregistrais avec l'appareil photo et je n'avais pas appuyé sur REC. Yeah ! Bravo. Bravo Camille. Donc on en était dans la partie course. Je vous disais de privilégier les rayons vrac, de préférence avec des petits sacs en tissu. Je suis sûre que vous en avez déjà vu, ça commence à devenir à la mode et c'est très bien d'ailleurs. Elle nous fait un petit topo également sur les emballages à privilégier, quels emballages sont mieux que d'autres, lesquels polluent le plus, etc., etc. Troisième partie, la salle de bain. Comme dans les deux premières parties, elle va nous dire où sont les polluants dans notre salle de bain, quels sont les produits à éviter, comment bien choisir ses produits, notamment le savon de Marseille, et comme à chaque chapitre, des petites recettes, du dentifrice, du démêlant, de la crème solaire, du déodorant. Petit aparté, si vous voulez une petite recette de déodorant, je vous la mets également en fiche dans le petit i qui est juste là. C'est une recette que j'ai faite moi-même. Voilà, c'est cadeau. Quatrième partie, le dressing, et on n'y pense pas assez. Aline Gubry va nous conseiller d'aller plutôt dans les fripes. Alors les fripes, c'est fabuleux, c'est génial. Et d'ailleurs, ce pull, je l'ai acheté dans une fripe. Je pense que tous les pulls que vous avez vus dans mes vidéos jusqu'à présent, je les ai trouvés dans des fripes. Depuis que je vais dans les fripes, j'ai plus envie d'acheter neuf. Il y a un petit côté jeu en même temps. Dans notre dressing, également des polluants, on va trouver des matières synthétiques qui sont non seulement mauvaises pour notre santé, mais aussi pour l'environnement lors de leur fabrication et lorsqu'elles vont se retrouver dans la nature. Vous savez bien sûr que 99% de la poussière qui se trouve dans votre maison est constituée des morceaux de votre peau et de matière de tissu. Je sais pas si vous avez déjà remarqué dans une pièce où vous repassez par exemple, ou dans la pièce où il y a la machine à laver, il y a énormément de poussière. Et bien cette poussière est due aux matières qui constituent vos vêtements. Alors bien sûr, il sera beaucoup plus sain pour votre santé et pour la planète d'avoir des matières naturelles comme du lin, du coton ou de la laine. Des matières naturelles, c'est non seulement plus durable, mais en plus, ça impacte moins sur la planète. Encore une petite aparté, il y a une loi qui est stupide, qui a atterri pendant l'ère industrielle. Si vous vous demandez pourquoi les matières naturelles sont toujours plus chères que les matières synthétiques, eh ben, ce n'est pas parce que leur production coûte plus cher. Non, non. C'est parce qu'elles sont taxées pour que les matières synthétiques gardent toujours le monopole. C'est beau le monde de l'industrie, hein ? Dans cette partie dressing, on nous parle aussi de lessive et de produits pour entretenir son linge. Elle va bien sûr nous donner la recette de la lessive, du détachant et plein d'autres petites recettes intéressantes. Partie 5, la partie ménage. Donc on va trouver bien sûr des recettes et des astuces naturelles pour faire son ménage sans polluer sa maison, sans polluer sa santé et sans polluer la planète. C'est pas beau tout ça. Vous allez vous rendre compte que vos placards vont se vider. Vous n'avez pas besoin d'énormément de produits pour faire tout le ménage de votre maison. Dans les pubs, on vous fait croire qu'il vous faut un produit pour les vitres, un produit pour l'évier, un produit pour la hotte, un produit pour la plaque de cuisson. Mais non, vous pouvez remplacer tout ça par un seul produit et vous allez le découvrir dans ce livre. Toutes les recettes et astuces naturelles pour faire votre ménage. Partie 6, la partie loisirs. Alors dans cette partie loisirs, en fait, il y a un petit peu de tout, c'est
tout ce qui a été un petit peu inclassable. On va nous donner quelques conseils, notamment refuser les cadeaux commerciaux ou refuser les sacs plastiques. Bon, normalement, en France, on est plus censé en distribuer, mais on reviendra plus tard à la fin de cette vidéo. On va nous parler également des voyages, de comment éviter le plastique et les polluants au bureau, au travail. Bon, c'est pas tellement loisir, mais cette catégorie regroupe un petit peu tout ce qui est inclassable, on va dire. Partie 7, les enfants. Alors là, les enfants, les pauvres, ils sont entourés de plastique. Ça commence dès leur naissance. On les met dans des berceaux en bois qui sont peints avec des peintures qui sont ultra toxiques, dans des draps synthétiques. On leur met des couches synthétiques industrielles également. Donc là, elle va nous parler comment remédier à tout ça. Des alternatives aux couches toxiques qui contiennent du plastique et des polluants, notamment des pesticides et des produits chimiques. Il y a bien sûr tous les jouets des enfants, allez, on va dire 80% des jouets que vous trouvez en supermarché, et encore je suis gentille, hein, 80% sont constitués de plastique. Certains vont aller dans les vide-greniers ou vont aller acheter des jouets d'occasion pour leurs enfants. Certes, ça peut être mieux, mais attention, on nous met en garde. Il y a quelques années, les règlements sur le plastique étaient beaucoup moins contrôlés qu'aujourd'hui. Et il y a des matières plastiques qui sont très dangereuses et qui n'étaient pas interdites il y a quelques années. Et vous risquez, si vous achetez des jouets d'occasion, notamment en plastique, de vous retrouver avec des matières assez toxiques, assez dangereuses pour vos enfants. Donc faites attention à ça. Mais Aline Gubry a des petites astuces, notamment elle nous livre la recette de la pâte à modeler. Et ça c'est génial parce qu'encore une fois, la pâte à modeler, qui n'a pas joué avec de la pâte à modeler? Quel enfant n'a pas mis un morceau de pâte à modeler dans sa bouche? Et ça, franchement, c'est scandaleux. Mais bon, avec cette petite recette, vous pouvez mettre vos enfants à l'abri. Vous pouvez fabriquer avec eux, d'ailleurs, votre propre pâte à modeler. C'est génial. Et tout à la fin du livre, on va trouver un petit guide pour choisir ses produits, comment bien choisir son savon de Marseille, un guide de tous les labels, un guide des labels dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Également les logos qu'on trouve sur beaucoup de produits, alors est-ce qu'ils sont fiables, pas fiables, tout est expliqué. Vous avez également une petite liste de films et d'associations qui protègent l'environnement et qui luttent contre la pollution des plastiques et des toxiques en général. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement bien fait, que moi j'adore. Je trouve qu'il va de pair à merveille avec le livre de la famille Zéro Déchet. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu en premier le livre de la famille Zéro Déchet. Ça m'a déjà bien motivée. Et ensuite, j'ai acheté celui-là. Et je trouve qu'il est vraiment super. Il est vraiment génial. Il va un petit peu plus loin. Je connaissais le blog d'Aline Gubry, Consommons sainement, avant d'acheter ce livre. Et j'étais vraiment très contente quand elle a sorti le livre. Je me suis littéralement ruée dessus. Donc si vous ne connaissez pas le blog, allez faire un tour. Moi, grâce à ce livre et à celui de la famille Zéro Déchet, ça m'a beaucoup aidée, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo. Je fais mes cosmétiques moi-même, je n'utilise plus de Tupperware en plastique, seulement des récipients en verre, j'utilise des ustensiles en inox, je ne mets plus de produits toxiques ni dans ma maison, ni sur ma peau, ni dans ma bouche. J'essaye d'avoir des choses saines au maximum. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, on ne peut pas échapper à tous les emballages, à tous les produits plastiques, on ne peut pas culpabiliser pour tout, on ne peut pas culpabiliser sur ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, mais déjà faire un petit pas, c'est déjà bien, faire sa part. Et niveau alimentation, je ne mange que bio. Certains diront, ah ouais, mais le bio c'est cher et tout, moi j'ai pas les moyens. Non, mais genre là, je leur dis, écoute, si t'arrêtes de boire du coca, de manger des chips industriels, pourquoi pas faire tes chips toi-même ou les acheter bio à la limite, de manger toutes ces cochonneries, pour pas dire un autre mot, ben crois-moi, à la fin du mois, il te reste largement assez d'argent pour acheter tout bio. Donc, c'est pas du tout de la pub ou quoi par le bio, je ne suis pas sponsorisée par le label bio, vous inquiétez pas. Mais non seulement c'est bon pour votre santé, donc si vous ne le faites pas pour votre santé, faites-le pour la planète. Sinon, le mieux c'est d'avoir aussi son petit potager. Et pour avoir des œufs frais. Voilà, c'était ma technique pour avoir des œufs frais. Alors, je vous avais dit que en fin de vidéo, je vous ferai un petit top des pays qui ont fait un maximum d'efforts pour réduire les déchets plastiques et les polluants.
Au départ, je voulais faire un top 10, mais ce ne sera qu'un top 5 parce que cette vidéo n'a pas vocation de durer 3 heures. Pour ceux qui s'intéressent, je mettrai la suite de la liste dans la description. Voilà, tout simplement, comme d'habitude. Allez, on commence le top. Numéro 1, la Dominique. Cette petite île des Caraïbes a interdit depuis le 1er janvier 2019 tous les objets jetables en plastique. Elle a également interdit le polystyrène et une grande partie des matières plastiques. Il y a une liste énorme également de produits que la Dominique a interdit et ça, c'est vraiment super. Numéro 2, l'Inde. L'état du Maharashtra, Écoutez, il est là, débrouillez-vous. Cet état indien a interdit l'utilisation et la fabrication de la plus grande partie des matières plastiques. Et elle prévoit de grosses amendes à qui dérogerait la règle. Et vraiment, venant d'un pays d'Asie aussi pollueur que l'Inde, c'est vraiment un gros pas en avant, c'est génial. Numéro 3, le Chili. Le Chili a été le premier à interdire les sacs plastiques. Il n'en est pas à son premier exploit. Le Chili a également été le premier à générer à très grande échelle de l'énergie solaire, notamment pour alimenter une ville entière. Il a été le premier à interdire les animaux sauvages dans les cirques. Il a été le premier pays à avoir une femme au pouvoir. Il a été... Numéro 4, le Costa Rica. Le Costa Rica est le seul pays au monde à avoir une énergie 100% renouvelable. C'est un pays qui prend extrêmement soin de son environnement et notamment de ses forêts. D'ailleurs, c'est le pays que l'on surnomme le plus sain au monde. Son agriculture est en grande majorité bio. Ils ont banni énormément de matières plastiques et de produits chimiques, toxiques et polluants. Et numéro 5, la Chine. Et oui, la Chine, en 2018, a lancé une révolution verte qui a principalement consisté à réduire l'importation de nouveaux déchets. Car oui, la Chine importait des déchets de l'Europe et des pays du premier monde pour les trier, réutiliser les matières premières pour fabriquer les objets made in China. Votre ordinateur ou votre téléphone. Donc la Chine a réduit l'importation de déchets, notamment une grande partie des déchets plastiques, et est en train de créer une grosse liste de lois très strictes en matière d'écologie et d'environnement. Encore une fois, c'est vraiment génial venant de la part d'un pays aussi pollueur que la Chine. Il y a encore du gros travail, mais c'est vraiment un grand pas en avant. Comme je vous le disais, si vous voulez que ce top soit un petit peu plus long, je vous mets la suite de la liste dans la description. Je vous ai également mis dans la description un petit top 5 des lieux poubelles. Oui, bon, je voulais terminer sur une note positive, c'est pour ça que je vous le mets dans la description plutôt que dans la vidéo. Donc voilà, vous avez un petit top des endroits les plus pollués au monde dans la description. Avec des documentaires qui vont avec. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos, mettez un like pour me le faire savoir. Le livre « Zéro toxique, zéro plastique », je vous le conseille vraiment, mais à tout le monde, surtout à ceux qui ont acheté déjà le livre sur la famille zéro déchet. Si vous voulez acheter ce livre, je tiens à vous préciser que si vous passez par le lien qui est dans la description, pour vous, ça ne change absolument rien. Mais pour moi, ça me permet de toucher une toute petite commission de l'ordre de 2 ou 3%. Donc voilà, si vous avez envie d'encourager cette chaîne et de voir de nouvelles vidéos qui vous font réfléchir et apprendre des choses, allez-y, passez par le lien qui est dans la description. Ah oui, aussi, un petit cadeau puisque vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Pendant un mois, je propose mon livre gratuitement. Oui, gratuitement. Si vous voulez le télécharger au format numérique, je vous mets également le lien dans la description. Dépêchez-vous, ça ne dure qu'un mois. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop laborieuse à regarder parce que j'ai eu plein de problèmes techniques. Là, j'avoue, sur le coup, c'était un peu la poisse. J'ai eu mon micro qui n'a pas démarré, mon appareil photo qui a lâché en plein milieu et une scène que j'ai dû refaire. Donc, si vous avez tenu jusque-là, merci. Et merci d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, à découvrir des choses et à apprendre. Continuez de partager autour de vous avec vos amis. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous faites déjà vos cosmétiques, votre lessive ou vous vous rendez dans les friperies pour acheter vos vêtements. Je veux tout savoir. Dites-moi ce que vous faites pour l'environnement. Allez, j'arrête de vous embêter.